Début novembre, Candice Renoir fait son grand retour sur France 2 dans un téléfilm sur le thème d'Halloween. Derrière l'une des scènes apparemment anodines à l'écran se cache un moment de grâce vécu par Cécile Bois et Raphaël Langlais quelques mois après la mort de Solène Roy-Pagenaud, co-créatrice de la série, qui est morte début 2023 au mois de février d'un cancer du sein. Cécile Bois, qui incarne l'ancienne commandante de police de Sète, et Raphaël Langlais, qui joue le capitaine Antoine Dumois, évoque ce retour à l'écran dans une interview avec le magazine Télé Loisirs. Dans ce nouvel épisode, le duo rend un bel hommage à Solène, décédée donc en février. Pour marquer ce retour à l'antenne, le duo a intégré un clin d'œil à Solène Roy, Pagenaud. Le livre que lit Candice dans l'épisode est en fait le roman inachevé de Solène. C'était une façon élégante de lui rendre hommage. Il faisait très beau ce jour-là de tournage. Le vent s'est levé, c'était un moment de grâce, se souvient Raphaël Langlais. Cécile Bois ajoute, il y avait une lumière sublime, comme si elle était avec nous. Cet instant particulier où la présence de Solène Roy Pagenaud s'est fait ressentir restera jamais gravé dans leur mémoire.